Comment ça marche? Ça fait là! Pub rétro, ça faisait longtemps, gros. N'est-ce pas, les amis? pose pas de questions. Nous retournons dans le rétro gaming! Mange des graines de tournesol over the peanut. T'en veux-tu? Et pour voir les autres épisodes de Pub Rétro, je glisserai les liens pendant la vidéo. On commence tout de suite avec une pub musicale. Je suis désolé. Tu le prends pour qui? Mon nom c'est Mac et moi c'est Mick. Nous sommes les super pros du jeu vidéo. En deux mots, nous sommes les héros de McDonald's. Hey, pour Ronald, qui t'a pris ton sac magique? Pas de panique, suis la rythmique. À McDonald's, en avant Mick. On y va Mac, quand j'appelle. Ne m'arrête, à McDonald's. T'es pris au jeu. T'as vu ta Mac? On l'a mis KO Mick. Yo! Sur Game Boy et console Nintendo, McDonald's Land, un jeu aussi. Bordel, ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne quand je teste le jeu de McDonald's. Vous irez voir ça. Le lien. Oh, ça vient de popper. T'as vu? Ça a popé en haut. Ok, tant qu'à être dans l'ambiance musicale, deuxième. Ah! Et mon gars, elle va faire mal, attention! De ta nouvelle intrate, je te dis pas. 61, 28 plus, c'est un vrai micro. T'es pour tes matons, traitement texte. Tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole la Mac sur des tas de jeux. Super graphisme, 4000 couleurs. Son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 61, 28 plus Amstrad sur cartouche et disquette. Maintenant, je vous présente une petite mémé sympa. Une publicité que je n'ai jamais vue. Mes chers petits, aujourd'hui je vais vous donner la recette du jeu vidéo au ver de terre. Prenez un verre du nom d'Earthworm Jim. Battez-le bien pour le rendre plus délicieux. Puis trouvez les aromates dans une poubelle nauséabonde. Faites-le revenir avec des monstres gluants. Grillez-le tout sur un fil. Faites-le sauter avec un hamster mutant. Laissez reposer avec un peu de morve. Passez une minute au micro-ondes et vous allez vous régaler. Earthworm Jim, disponible sur Mega Drive et Super Nintendo. Tu as l'air de t'ennuyer. Tu sais, il nous faudrait une Sega. C'est une console de jeux vidéo. Range-moi sur une Sega. C'est garanti pour s'éclater. Il y a plein de jeux dingues qui vont avec. Hot Run, Double Dragon, Shinobi, Ghostbuster. Et les graphismes sont tellement gros. Et tu peux rajouter des tas de trucs comme une lunette 3D. Ça te donne un look d'enfer. Alors sois sympa, branche-moi sur une Sega. Allez, envoyez la photo du produit. Hey! C'est même pas ça que j'en ai, ça, c'est une Sega, j'ai déjà une console comme ça, mais... Allez, je serais sympa, branche-moi sur une Sega. Mais arrête! Sega, vous n'avez pas l'air de vous éclater. Branchez-moi sur une Sega. Regarde! Vite, passe-moi la console. Alors, prêt à jouer les héros? Oh ouais, pas de malheur! Prêt pour des méga aventures? C'est parti! Je suis content de ne pas avoir eu les publicités de la France, parce que ça, c'est vraiment chelou. C'est encore moi! Tu m'as toujours pas branché! Alors, je serais sympa. Brousse-moi sur une Sega. T'as monté? Putain! Sérieux, je pouvais pas passer à côté des pubs de Pokémon vraiment bien faits. Tu te rappelles du Game Boy Color? J'en avais un. Il était mauve. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Oh, je l'avais presque. Il faut les échanger avec un copain. Putain, c'est mon Game Boy! C'est mon Game Boy mauve? C'est un Game Boy mauve? En vrai, le câble est pas aussi long, mec. Attrape un câble, un copain avec un Game Boy, et avec les deux cartouches, tu peux tous les attraper. Je te l'avais dit que le câble est à court. Merci. Et maintenant, le mec le plus à l'aise pour te vendre une console. Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128. À ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquette, ou de cassette intégrée. Et une seule prise, branchée. Les micro-ordinateurs Amstrad. Faites-le, écran graphique. Clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur Amstrad. Oh, mon fils, il a une gonzesse comme ça. Pardon, messieurs, une chose que vous ne savez pas. Moi, mon fils, il a un scotter comme ça. Ouais, et ben moi, mon fils, il a une gonzesse comme ça. Oui, mais moi, mon fils, il a une shiny fille. Mon fils. Il a un Amiga. Micro Amiga, un ami dans l'informatique. Oh ah,
On me nomme Wario et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Obéissez à Wario. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Alors détruisez Mario. Super Mario Land 2. Pas détruire Mario. Exclusivement sur Game Boy. Journal du monde Nintendo avec Mario. Les Gremlins sont attaqués New York. Ils envahissent le Clem Center. Et d'après nos informations, seul Gizmo peut les arrêter. Gizmo, tes commentaires. Je vois, tu dois grimper à un autre niveau pour attraper la flèche enflammée. Merci Gizmo et bonne chance. Oh, il en aura bien besoin. Ici Mario pour... Gremlins 2 de Nintendo. Regardez-moi ce stop motion en pâte à modeler gros. Mario a les nerfs. Il se fait piquer. Il se fait écraser. Et même mordre. Voyez ce que vous lui faites subir. Le casse du siècle ne sera pas une partie de plaisir. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a un sale caractère. Wario Land 4, exclusivement sur Game Boy Advance. Et sur ce pub rétro 1989 000, je t'invite à laisser un pouce de la couleur que tu as envie. Je te dis ciao. C'est l'avion de Sam Fisher. Fais 20 secondes là. Parce que oui. Vous êtes prêts? Ciao. Gros.